Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois que je pars en vacances, j'adore tourner ma routine, mon matin parfum. Et là je suis partie à Los Angeles et forcément je devais vous tourner cette vidéo parce que j'adore tourner cette vidéo. Laissez-moi vous dire que c'est comme ma vidéo que j'ai hâte de tourner quand j'arrive. Je me suis dit il faut que je tourne cette vidéo parce que j'adore cette vidéo. Donc voilà, j'ai tourné cette vidéo. Et donc voilà, écoutez, je fais pas une intro de 150 000 longs parce qu'à chaque fois je fais des intros juste longues comme le monde. Donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure. Quand je suis en vacances, j'ai pas trop de mal à me lever parce que le décalage horaire se charge de ça. Mais j'aime beaucoup prendre mon temps et me réveiller avec le soleil. Bien sûr, quand je me réveille, je me sens comme obligée de checker tous mes réseaux sociaux, de savoir ce qui s'est passé sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, enfin bref, un petit peu partout et me reconnecter au monde. Et ma petite Ninou d'amour vient me faire un petit câlin tous les matins. Et ça, c'est vraiment le moment que je préfère et le moment que j'adore. Je prends ensuite le temps d'ouvrir partout, d'ouvrir la maison, pour que la lumière puisse rentrer quand même, hein, c'est le jour, on se réveille, hop hop hop, au taquet. Et donc voilà, je prends le temps de tout ouvrir, et ensuite, place au petit déjeuner, parce que quand je me réveille, j'ai trop faim. Et aujourd'hui, c'est un petit déj essentiellement fruité et sucré, parce que j'adore ça le matin, manger sucré, je sais pas pour vous, mais voilà. J'ai pris le temps de laver tous les fruits qu'on avait achetés, et ensuite, je me suis fait une rapide salade de fruits. Donc, j'ai mis les raisins, les framboises et ensuite ma banane que j'ai préalablement découpée. Et voilà, c'était juste divin. J'ai aussi pris un verre de jus de pomme avec mon muffin au chocolat. Et mon Dieu, que je me suis juste régalée et j'ai adoré ça. Et les petits déj comme ça, j'adore ça. Quoi de mieux que de se poser devant la télé, devant son PC, à travailler avec les petits-déj qu'on adore. Il n'y a pas meilleur moment, je crois. Le petit-déjeuner, c'est incontestablement mon petit-déjeuner préféré. Une fois que le petit-déj est terminé, c'est l'heure de passer à la salle de bain. Et là, je m'attache les cheveux juste pour une question de confort en fait. Et ensuite, je prends le temps de me laver les dents pour ensuite passer à la douche. Je me lave les dents parfois sous la douche et apparemment c'est quelque chose de très bizarre. Donc dites-moi en commentaire si vous lavez les dents aussi sous la douche parfois. Et juste parce que je vous adore, un petit bonus. Repassons aux choses sérieuses. Sous la douche, je me lave le visage avec mon nettoyant visage habituel. Je me suis ensuite lavée avec le gel douche qui était là. Je me suis surtout hydratée le corps et le visage parce que j'en ai vraiment besoin. Et ensuite, place à la tenue. J'ai pris un pull de chez CA parce qu'il fait assez froid. Un t-shirt juste tout simple de chez H&M et mon short de chez Target que je vous ai présenté dans mon haul. Et voilà, un matin tout simple que j'adore parce qu'il est vraiment parfait et j'ai vraiment profité de ma famille et profité de mes vacances et pris le temps pour moi.
Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout si vous aimez que je fasse ce genre de vidéo à chaque fois que je pars en vacances, n'hésitez pas à liker et ça me ferait juste trop plaisir. Et voilà, quoi vous dire d'autre, je vous fais des bisous. Et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et surtout, restez bien connectés parce que maintenant, pendant 4 semaines, je vous mettrai 2 vlogs par semaine, le lundi et le jeudi, plus ma vidéo habituelle le samedi. Donc voilà, écoutez, je vous fais encore des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !